première journée dans cette compétition qui rassemble les meilleures sélections européennes. Rendez-vous incontournable. Atmosphère de grand match dans ce stade, c'est vraiment un plaisir de se retrouver aussi nombreux pour ce genre d'affiche. Je suis en compagnie de mon camarade surnommé la poule guitare, Omar Da Fonseca, et nous allons vous commenter cette rencontre. Première rencontre de groupe dans cette Euro 2024, une affiche qui se joue dans une ambiance assez extraordinaire. Les compétitions, ça se joue toujours sur une dynamique, un état d'esprit, une habitude de la victoire. Il ne faut pas perdre de points bêtement. Shaqiri. C'est contré sans problème. Il faut centrer là-dessus. Le bon crochet vers l'intérieur. Shaqiri. Goal ! Déjà un but idéal pour lancer ce match. Ça promet pour la suite. Le placement, l'intention, l'exécution, tout est parfait dans cette action. Ça a l'air simple, mais la simplicité, c'est ça. C'est rendre les choses simples. C'est reparti dans cette rencontre. L'Allemagne est menée d'un but. Kimmich. C'est pour Rüdiger. Et cette passe n'est pas bonne du tout. Akanji. Widmer. Et c'est Shaqiri qui reçoit le ballon. Très bien défendu, sans commettre de faute. Avec Moussiala, il est bien placé là. Oh, c'est contré. Le corner de Toni Kroos. Corner trop sur le gardien, c'est mal tiré. Ah, le bloc est reculé pour inviter l'adversaire à laisser des espaces. Freuler. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Havertz. Ah, c'est plutôt bien arbitré. L'arbitre laisse l'avantage, le jeu se développer. Cher. Widmer. Ballon pour Shaqiri. Le ballon revient pour Shaqiri. Et le ballon part bien. Quelle intervention, elle est hyper importante.
le point de pénalty. La défense s'en sort facilement, ballon bien dégagé. Et la pression pour empêcher la relance. Thomas Müller. Thomas Müller avec le ballon. Et la frappe, ça part bien. Bon assaut ! Quelle frappe ! Quelle merveille ! Quel culot ! Exceptionnel ce but ! Quel boulet de canon ! Et regardez la trajectoire, on dirait un missile. Magnifique. Et ça reprend après le but de l'égalisation, un partout. Il y a du soutien là pour attaquer. La parade de Sommer. C'est bien parti pour ce corner. C'est un corner facilement maîtrisé par la défense. Coup franc, faute signalée par l'arbitre. Et le joueur s'en sort finalement plutôt bien sur cette faute. La faute vient siffler, mais rien de plus. Même pas un petit carton jaune sur cette action. Toni Kroos. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Tir contré sans difficulté. Ah, le gardien se couche bien sur ce ballon. Il est bien frappé ce corner. Goal ! Revoyons ce corner. C'est très bien tiré parce que le ballon est envoyé dans une zone dangereuse. Quant à la conclusion, une tête qu'on voit le ballon au fond de filet. Et avec ce but, ça fait donc 2-1 au tableau d'affichage. Rodriguez. C'est pour Shaqiri. Vargas. Shaqiri. Et la récupération du ballon. Xhaka. Granit Xhaka. Akanji. La balle vers Freuler. Et Bischer. Toni Kroos. À côté allemand, la mi-temps va faire du bien. Ils mènent au score les Allemands. Ça va être l'occasion de relâcher un peu la pression et de souffler. Ce but d'avance donne une indication. C'est une rencontre très serrée entre deux équipes très proches l'une de l'autre. Attention à ne pas relâcher la concentration en deuxième mi-temps. Le bloc équipe joue bas pour forcer l'adversaire à se découvrir. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Freuler. Oh là là, la faute sur ce tacle, très mal contrôlée.
et ça m'étonnerait que l'arbitre en reste là. Faute, et donc l'arbitre brandit le carton jaune. Oui, bonne décision. Et nous jouerons donc 2 minutes supplémentaires minimum. Le ballon pour Kai Havertz. Bonne lecture de la trajectoire, le ballon est récupéré. La passe par-dessus, c'est dangereux ça. Et la prise de balle dans la profondeur. Ouais, bonne détente verticale pour aller chercher le ballon. Ça va vers le point de pénalty. Vargas. Ballon pour Shaqiri. Ah, le bon réflexe là. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. Kai Havertz à l'image, il met toutes ses qualités en évidence dans ce match. Et voilà, c'est bien. Son but donne l'avantage à son équipe. Une belle récompense après son excellente première période. C'est reparti dans cette rencontre avec donc l'Allemagne qui va tout faire pour maintenir son but d'avance. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. La frappe, c'est bien tenté. Et le gardien laisse filer le ballon en 6 mètres. Le tir n'était pas si loin, mais il a très bien lu la trajectoire. Et ça joue vers Müller. Oh, c'est bien joué. Très bonne intervention pour écarter le danger. Avec Joshua Kimmich. Ça part vers Musiala. Ah, le ballon repoussé mais pas maîtrisé. Ouais, c'est un ballon bien dégagé. C'est une récupération du ballon sur cette action. Bien sûr qu'il y a faute sur cette intervention. L'arbitre accorde le coup franc. Alors l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Pour Freuler. Attention pour égaliser. Mais comment peut-on rater une occasion pareille d'égaliser? C'est invraisemblable. Tout le monde se prend la tête dans les mains. Les mains dans la tête. Thomas Müller. Müller hérite du ballon. Kroos. Ah, la perte de balle. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Bien vu, le bon ballon.
L'action se poursuit. Ah, il peut conclure. Un sobre mais efficace. Super intervention. Ah, la bonne frappe. Et c'est finalement sans aucun souci pour le gardien. Akanji. Et Bischer. Mousiala là qui récupère ce ballon. Ah, il s'est récupéré très haut ça. Et la frappe. Passe très loin du but. La priorité, peu importe la distance, c'est cadré. Et changement pour les deux équipes. Cher. Granit Xhaka. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Oh, ce ballon, il passe vraiment pas loin. Très bien tenté. Toujours ce petit but de retard. Florian Wirtz. Kai Havertz reçoit le ballon. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Cher. Ah, c'est une mauvaise passe sur l'adversaire. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Il faut revenir en défense sur ce contre. Et la frappe part bien. Quelle intervention absolument décisive. Ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Ballon dans la surface. Et c'est sauvé sur la ligne au dernier moment. Wirtz reçoit le ballon. Oh, c'est bien défendu. Raymond Freuler.
Akanji hérite du ballon. Ah, bien joué, bonne intervention. Le ballon pour Havertz. Jamal Musiala reçoit le ballon. Zakaria. Cher. Ah, le ballon pour le gardien. Et peut-être un bon mouvement offensif pour l'Allemagne. Oh, la balle de match! Oh, le but! Et ça fait donc un deuxième but d'écart. Et ce match est presque fini maintenant. Un vrai but d'attaquant avec ce duel remporté et ensuite la conclusion pleine de lucidité. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Noah Okafor. Akanji hérite du ballon. Okafor. Ouais, c'est une transmission bien coupée. Sané. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Okafor. Zakaria. Et c'est pour Okafor. Oui, voilà, ça combine. Ah, il est passé sur ce bon geste. Bon timing pour cette reprise de la tête. Quelle occasion! La tête a failli tromper tout le monde. Hein. Le ballon est venu frôler le poteau. Et du mauvais côté. Minutes minimum ajouté par l'arbitre. Ah non, il faut pas la perdre dans cette zone. Florian Wirtz avec le ballon. Leroy Sané. Et bon arrêt du gardien. Le corner. Quel réflexe sur cette tête! Pour espérer la toucher, il fallait de la concentration, mais aussi des très bons réflexes et des jambes. Quel arrêt! Gundogan, c'est parti. Ah, c'est une bonne opportunité. Et on en reste là, l'arbitre qui siffle la fin du match. Et donc, il scelle définitivement cette victoire. Oui, une victoire assez nette. 2 buts d'écart, ça donne le permis de crédibilité à cette équipe. Et vous êtes un esthète, Omar. Je sais que vous aimez ce genre de joueur. On va parler quand même de la prestation de Kaya. On l'a senti à la hauteur pendant tout le match. Il n'y a pas eu d'absence ou de baisse de régime. C'est un doublé réalisé avec détermination, rigueur et maestrie.